Les Jeux Sont Faits. C'est un titre qui a été compliqué à faire parce que j'ai mis longtemps à mettre la main sur la prod. C'est SoFly qui la signe. Et bon, une fois que j'avais trouvé le son, du reste à faire, à savoir écrire le titre, trouver le concept. Et par contre, pour le refrain, je tournais en rond, je trouvais pas d'idée. Et puis plus j'écoutais le son, et plus je me disais qu'il y avait la place pour quelqu'un sur le refrain. Et plus j'écoutais la prod, et plus je me disais qu'il fallait que ce soit de la Talkbox. Pour ce titre-là, il y avait Sage qui cherchait quelqu'un qui faisait de la Talkbox sur Marseille. Et par l'intermédiaire d'une relation commune, finalement on s'est rencontrés. Et voilà. La Talkbox, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un boîtier qui est relié à un clavier avec un tuyau qu'on se met dans la bouche et qui te permet de justement reproduire les notes de ton clavier avec la bouche. Donc je me suis mis en tête de trouver quelqu'un sur Marseille qui touchait à la Talkbox. J'ai cherché sur internet et je suis tombé sur un gars qui s'appelle Mo'Cheez. J'en avais jamais entendu parler, je suis allé sur sa page MySpace. Je lui ai fait écouter le son, il a kiffé, je lui ai fait écouter ce que j'avais écrit. Et puis on a commencé à travailler, et puis bon, c'était assez compliqué parce que tout ne sonne pas forcément dans la Talkbox, donc tout ce que je voulais lui faire dire dans le refrain, tout ne pouvait pas forcément sonner. On a un tube là, non? Les jeux sont faits, c'est dead mec, t'es game over.